Wow, madame et monsieur, bonjour et bienvenue sur Ray-Ban. Si vous n'êtes pas abonné, on se souhaite de tous abonner à votre voiture, la cloche ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, comment allez-vous? Si vous allez bien, Dieu merci. L'histoire du manager à cette star-là m'a tellement étonné que j'ai décidé de vous faire cette vidéo-là, juste pour qu'on échange de vrais conseils. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs. Quand vous êtes jeune, cherchez Dieu. Cherchez vraiment Jésus-Christ. Cherchez le bon chemin. N'entrez pas dans les bails noirs, vous l'a dit. Même dans des groupes de jeunes qui peuvent vous conduire dans les problèmes. Vous voyez, savez qu'aujourd'hui, les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Et ils se disent que être un vrai gars, être un garçon manqué, c'est une bonne affaire. Et les gens commencent à consommer la drogue à un âge très bas. Les gens font tout ce qu'ils ont envie de faire n'importe comment. Ils couchent avec les filles, sautent avec les filles n'importe comment. Ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. Mais le problème, c'est que ça peut mal tourner un jour. Et quand ça tourne mal, vraiment, là, ça devient grave. Et vous devez savoir qu'il y a des démons qui sont là. Pour pousser les jeunesses, pour pousser les gens, pour pousser les jeunes jusqu'à la conséquence fâcheuse de leurs actes. Et c'est là les démons vont se retirer. Par exemple, quand les gens vont à l'école ou ils sont en examen, là-bas déjà on leur conseille de tricher. Mais malheureusement, les gens passent le temps à tricher. Et on fait ce qu'ils ont envie de faire jusqu'à ce qu'on les attrape. Et quand on les attrape, vous savez les conséquences. Et c'est là qu'il commence à dire, oh, si j'avais su, oh, si même j'avais su. Là, les gens commencent à répéter. Là, le démon maintenant qui t'a poussé. Parce que tu dois savoir que derrière les mauvaises actions, derrière le péché des gens, il y a des démons qui sont en train de travailler. Juste pour les conduire jusqu'à là. Et mes frères, c'est terrible. Cette star-là, en ce moment, elle est en prison. Et elle doit comparer, elle doit passer devant le tribunal. Et son affaire là a engendré d'autres problèmes. Au point où son manager aussi a été appelé devant la cour de justice. Et il y a eu plusieurs preuves contre lui, disant certaines choses. Et finalement, après tout ce qu'ils ont dit, le verdict est tombé. Le résultat est arrivé. Et les informations sont là. Face à tout ce que cette personne a dit, finalement, les preuves sont apparues et le juge a vraiment tranché et il a donné 15 ans de prison. 15 ans de prison ferme. Franchement, tellement c'était dur. Cet homme-là a fondu en larmes. Face à cette affaire, un collègue a décidé de nous raconter réellement ce qui s'est passé. Écoutons-le. Shawty, âgé de 37 ans, a été condamné le 6 septembre à une peine de, attention, ce que tout le monde voulait savoir, après 6 ans, bien évidemment, son procès n'est pas encore arrivé. Shawty a été condamné à 15 ans, 15 ans de prison, les gars. Eh Non! ouais, 15 ans putain de merde. Pourtant, avant ce procès, il avait plaidé coupable pour possession et utilisation d'une arme à feu pour que sa peine soit réduite. Je le rappelle, Shawty, il a été arrêté en même temps que 6ix9ine et il a été poursuivi pour 6 chefs d'accusation, dont racket, trafic de drogue. Et pour tous ces chefs d'accusation, les gars, ils pouvaient avoir la prison à vie. Il s'en sort bien quand même, de 15 ans à la prison à vie, frérot. Je préfère me prendre 15 ans que la prison à vie. Bon, personnellement, moi je me prends à Shawty. Qu'il aurait 15 ans de prison lors du jugement, il a fondu en larmes. À Shawty, qu'il aurait 15 ans de... Pas tous les gars, là vous allez être choqués. Quand on a annoncé à Shawty qu'il aurait 15 ans de prison lors du jugement, il a fondu en larmes. Quand on a annoncé à cet homme qu'il allait avoir 15 ans de prison, alors là, il a fondu en larmes. Écoutez encore. Pour 15 ans, je me fous une balle. Et vous savez, pas tous les gars, là vous allez être choqués. Quand on a annoncé à Shawty qu'il aurait 15 ans de prison lors du jugement, il a fondu en larmes. Il a pleuré, frérot. Il s'est excusé auprès de ses amis, de sa famille. Tu t'imagines?
Shaoqi fondre en larmes. Et c'est pas tout, après les 15 ans de prison. Vous avez entendu ça? C'est presque impossible. Parce que dans les clubs, dans les trucs, c'est un game. C'est un game, il faut être un truc. Hein. Mais si c'est tombe à fondu en larmes, ça veut dire ce que ça veut dire. À Shaoqi qu'il aurait 15 ans de prison. Là, vous allez être choqué. Quand on a annoncé à Shaoqi qu'il aurait 15 ans de prison lors du jugement, il a fondu en larmes. Il a pleuré, frérot. Il s'est excusé auprès de ses amis, de sa famille. Tu t'imagines, Shaoqi fondre en larmes. Et c'est pas tout. Après les 15 ans de prison, il aura 5 ans de contrôle judiciaire. Là, maintenant, c'est pour le principal. Bon, Shaoqi, c'est pas le principal. Le premier qui nous intéresse, tu sais, frérot, c'est 6ix9ine. Je l'ai déjà expliqué, mais je le redis, 6ix9ine, il lui reste 2 procès. Il lui reste son procès et il reste le 2e procès où il sera témoin. Il devra témoigner contre Anthony Harvey Linson et Nuck, ces 2 personnes qui auraient soi-disant kidnappé 6ix9ine. Donc là, c'est pour l'affaire du kidnapping, pour savoir si c'est vraiment vrai ou pas. Il y a Anthony Harvey Linson qui affirme qu'il est non coupable, qu'il n'a rien à voir avec ça et que c'était juste de la promotion. C'était exprès qu'il n'y a pas eu d'enlèvement. Donc on verra vraiment si c'est la vérité, et après il y aura le procès de 6ix9ine. Donc là, la fin, elle approche bientôt, les gars. Vous avez entendu ça, mes frères et sœurs. Vraiment, l'histoire de ce manager, cet homme, m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Il a juste fondu en larmes. Vous entendez ça? 15 ans de prison, plus combien il a? Il doit avoir 37 ans ou 47. Ah! Qu'est-ce qu'il n'a pas? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie? Soyez juste. Soyez juste. Quand on parle aux gens de Jésus-Christ, ils disent, oh, vous voulez nous emprisonner, vous ne voulez pas qu'on cherche les femmes. Vous ne voulez pas nous laisser faire ce qu'on a envie de faire. Vous ne voulez pas nous laisser faire ce qu'on a envie de faire. Écoute, nous, on a envie de boire les boissons. Oh, laisse-nous. On a envie de faire ceci. Tu sais, les jeunes, on met sauter les filles. Mais mes frères et sœurs, les jeunes meurent tôt. Le jour de mettre aujourd'hui, ça n'écrit pas. Si tu veux avoir longue vie, si tu veux vraiment avoir longue vie, écoute ce que je te dis. Laisse la drogue, laisse la cigarette. Laisse les mauvais amis, même qui risquent de te conduire dans les problèmes. Abandonne tes mauvaises voies. Et commence à marcher dans une nouveauté de vie. Dis seulement à Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à trouver Dieu. Que Dieu me pardonne mes péchés, tout ce que j'ai fait. Dieu va te pardonner tes péchés aujourd'hui, il va t'aider. Vous avez vu comment cet homme a réagi? Ça me fait mal, ça m'a tellement touché que j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous. Vous aussi, partagez cette vidéo au maximum si ce n'est pas encore fait. Et abonnez-vous. Activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et en cliquant sur ce bon, vous avez accès à notre page d'accueil. Vous pouvez vous abonner sur notre autre chaîne aussi. Et soyez prêts. Regardez comme ce jeune homme qui est là-bas est si jeune. Je pense qu'à ce moment, il a 22 ans. 22 ans. Juste 22 ans. Faites attention à votre vie, mes frères et sœurs. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. Et faites de bons choix dans votre vie. Qui va vous sauver. Qui vont vraiment vous sauver. Qui vont des choix hors du commun. Ça va être aussi pour votre famille. Partagez cette vidéo et abonnez-vous. Soyez prêts à vous.